Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog Weight où on va passer toute la semaine ensemble dans mon parcours perte de poids. Je suis professeure des écoles, je viens d'arriver au travail, j'ai ma classe qui va bientôt rentrer et regardez déjà la gourde que j'ai fait ce matin. J'ai renversé mon thé sur moi, les élèves vont dire « Maîtresse, tu t'es fait pipi dessus ?» Non, maîtresse, elle était juste pas très réveillée. Pourtant, maîtresse, elle s'est réveillée à 5h30 ce matin. Et ouais, je me suis dit « on va prendre les choses en main ». Et on va se battre surtout parce que si vous avez suivi mon dernier vlog, j'ai terminé le vlog sur une note assez négative. Voilà, ce week-end, c'était très compliqué pour moi. J'ai fait une petite déprime samedi soir et la journée de dimanche. J'ai beaucoup dormi, j'ai laissé mes émotions un peu s'exprimer. Franchement, parfois, ça fait du bien. Je pense que vraiment, j'ai eu un contre-coup un peu de la rentrée parce que je vous assure qu'être professeur des écoles débutant en contractuel, c'est pas une situation facile du tout. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de travail et beaucoup de charge mentale aussi. Déjà que moi, dans ma vie, en temps normal, j'en ai beaucoup. Beaucoup de choses à penser et c'était un trop-plein en fait. Voilà, donc je me suis vraiment laissée aller tout le week-end. Et j'étais pas bien, hein. J'ai beaucoup dormi. Beaucoup dormi. D'ailleurs, ce matin, je regarde la nuit que j'ai passée sur mon application HealthMate qui est liée à ma montre connectée. Si ça vous intéresse, la montre connectée, je vous mets toutes les infos en barre de description de la vidéo. Et ce matin, donc, je reçois une notification sur mon application comme quoi j'ai fait un jet lag social. J'avais jamais entendu ce terme. Effectivement, le rythme est un peu déglingué quand toute la semaine tu dors pas énormément et que le week-end tu dors beaucoup. Mais c'est pourtant ce matin, franchement, je me sens en forme, je me sens reposée, détendue. Vraiment, j'ai eu un trop plein en fait. Voilà, donc c'était le contre-coup. Et puis ça arrive, des fois c'est difficile, des fois on a du mal et le tout c'est de se relever derrière. Bref, hier c'est vrai que j'ai planté le vlog dimanche soir en disant ce que j'avais sur le cœur sur le moment en fait. Donc c'était pas très gai, j'avoue. Aïe. Mais bon, c'est comme ça. J'ai aussi des faiblesses, je suis un être humain et parfois je craque tout simplement. Mais ce qui fait ma force, c'est que je me relève et je persévère. Et j'ai pas l'intention d'abandonner, loin de là. Franchement, à un moment donné, quand t'es confronté à toi-même dans ces pires situations-là où tu te sens vraiment mal, t'as deux choix. Soit tu t'écroules, soit tu te relèves et tu affrontes les épreuves. Tu cherches au fond de toi un peu cette force que tu as, parce qu'on l'a, on l'a tous la force. Hein. Faut juste savoir aller la chercher, c'est pas toujours facile. J'essaye un peu de réveiller mon âme de guerrière que j'ai en moi. Et voilà, on se relève et on continue à se battre, tout simplement. C'est pas facile, c'est sûr, quand on a beaucoup de charge mentale, beaucoup de pression. Déjà, la perte de poids en elle-même, c'est pas quelque chose de facile. Moi, je le dis, c'est un combat. Je pars de très loin, je pars d'une alimentation très, très mauvaise, je pars d'une obésité extrême. Vraiment, j'étais à 120 kg quasiment toute ma vie pour 1m61,5. Mais je me dis que j'ai déjà fait un très beau parcours et j'ai pas l'intention de m'arrêter là. Donc, même si c'est dur, eh ben, on affronte, on se bat et voilà, on donne tout. Je vais y arriver, c'est pas facile tous les jours, mais je vais y arriver parce que je vais jamais rien lâcher. Voilà ma petite assiette ce midi, donc j'ai environ 200 g de pâtes, une petite boîte de thon à la tomate, quand on n'a pas le temps c'est vraiment pratique, c'est pas très calorique, c'est super bon. Du raisin de la cantine, youhou, et un yaourt, et de l'eau, voilà. Ce soir, je me suis chauffée, franchement. J'ai fait un couscous avec de l'agneau, du poulet, plein de légumes, navets, carottes, courgettes, tomates, oignons, épices et tout et tout. Et c'était trop, trop, trop bon. Voilà, une petite barre de céréales en rentrant tout à l'heure.
Et puis voilà pour la journée. Je vous mets le bilan là. C'était une bonne journée. J'étais pas fatiguée aujourd'hui. Hein. Je pense que j'ai vraiment bien récupéré ce week-end. Je suis rentrée, bah, j'ai attaqué à fond tout ce que j'avais à faire. J'ai pas fini d'ailleurs. Continuer bah, comme d'habitude jusqu'à ce que j'aille me coucher. Voilà. Et je vous retrouve demain. Oh, je viens de me faire un quart d'heure de vélo intensif là. J'en peux plus. Bon, ce matin, j'ai une formation. Du coup, j'ai dû me lever tôt. Et je vais retrouver la fac dans laquelle j'étais il y a 2 ans. Où j'ai fait mon master dans les sciences de l'éducation, Master MEF. Donc ça va faire bizarre de remettre les pieds à la fac. Je vais y passer la matinée. Ça m'arrange pas, j'avais plein de choses à faire, j'ai déjà du retard. Ça stresse, mais bon, c'est comme ça. Hello. Bon, c'est compliqué hein, d'arriver en milieu de semaine, de se dire que... on a foiré quasiment toute la semaine. Ça donne envie de pratiquer le foutu pour foutu, de se dire bon, on verra ça lundi. Mais j'ai fait ça toute ma vie et ça n'a pas trop marché. Donc lundi ça a été, mardi, mercredi, du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Et aujourd'hui, bah, je me dis que c'est pas perdu. Il me reste 3 jours avant la pesée. Je pense qu'en 3 jours on peut limiter la casse. Enfin j'espère. Puis même si on limite pas la casse, ce sera moins pire que de faire n'importe quoi pendant 3 jours. Donc on va essayer d'avoir une journée correcte. Je mets pas la barre haute. En plus, je m'étais dit cette semaine au moins évite de manger dehors. Parce que ça à chaque fois ça fout tout en l'air aussi. Et ce midi, bah j'ai rien. Je pensais qu'il restait des pâtes d'hier soir. Et en fait, non. Donc, j'avais vraiment rien à prendre pour manger au travail. J'ai pas fait mes courses hier. Il n'y aura pas de retour de course qui va sortir aujourd'hui. Mais bon. C'est pas grave. C'est un petit dérapage de parcours. C'est loin d'être le premier. Il y en a eu plein. Et c'est pas garanti que je réussisse ma journée. Mais je vais essayer de... voilà, de limiter la casse quoi. Donc ce midi je vais être obligée de manger dehors. En plus j'ai pas beaucoup de temps ce midi parce que j'ai les APC. Les APC pour ceux qui savent pas, c'est les activités pédagogiques complémentaires. Donc en gros bah, on donne cours à quelques élèves sur 40 minutes à midi. Je suis de service à 13h30 après, ce qui fait que je vais avoir une très très courte pause déjeuner. Il va falloir que j'aille dehors. Et en plus j'ai un truc à voir pour mon après-midi avec ma classe. Bref, je vais pas arrêter encore aujourd'hui. Ce soir, j'ai aussi un rendez-vous avec les parents d'élèves. Voilà. Hier, je me suis un petit peu reposée. Enfin, j'étais en formation hier matin et hier soir, je me suis... enfin, hier après-midi, j'avais plein de choses à faire. Et en fait, j'ai laissé tomber ce que j'avais à faire et je me suis un petit peu reposée parce que je sentais que c'était trop en fait et que j'avais besoin de me poser un peu. Donc, bah forcément, je prends du retard dans pas mal de choses, mais des fois pour notre santé, vaut mieux écouter un petit peu son état, c'est important. Bref, je suis avec mon vélo. Et puis bah, comme tous les matins et comme tous les soirs, je vais faire environ 10-15 minutes de vélo pour me rendre au travail. Il fait très froid, les températures baissent, heureusement il ne pleut pas. À la maison ça caille aussi, ils n'ont pas mis le chauffage. On est dans un logement HLM et c'est eux qui décident quand on met le chauffage, c'est chauffage au sol. Et en ce moment, ça caille, c'est difficile. Mais bon, le vélo va me réchauffer. Tant qu'il pleut pas, franchement, ça va. En plus, on entend les petits oiseaux, c'est agréable. Donc, je vous retrouve bah, dès que j'ai une minute. Since you left, I'm going through the motions. I'm laying here.
I cannot live with myself. If you call it quits, I'm gonna stay in this bed until you love me again. If you could just listen to what I have to say, a minute of your time, that's all I want, then I'm out of your way. Pas fort parce que il y a des élèves là à côté, on est à la pause méridienne et il y a des enfants qui font des activités, je sais pas trop ce qu'ils font d'ailleurs, mais bref. Ce midi, j'avais rien avec moi parce que j'avais rien chez moi et du coup je me suis dit que il fallait éviter à tout prix tout ce qui était fast food, y compris boulangerie, parce qu'en boulangerie franchement bah je suis attirée par les gros sandwich bien gras, plein de fromage, puis les desserts, les pâtisseries, puis allez, tant qu'à faire, un petit soda avec. Bref, du coup, j'ai pris mon vélo, je suis allée jusqu'à Auchan, qui est pas très loin, ça a 5 minutes en vélo. Et du coup, bah, je me suis pris des sushis. Les sushis, c'est trop la vie, avec une bouteille d'eau et puis des clémentines en dessert. Et ben, je regrette pas, franchement. C'était tellement bon que ça m'a fait beaucoup plus de bien qu'une pâtisserie. Vraiment, elles étaient délicieuses. J'aime trop les clémentines quand elles sont vraiment juteuses et sucrées, un peu d'acidité. J'aime trop. Ça sent trop bon en plus. Donc voilà. Du coup, je suis contente et surtout, je suis fière de moi. La journée n'est pas finie, mais ça me motive. Je me dis que il reste pas beaucoup de temps hein, avant la fin de la semaine, mais je préfère reprendre les choses en main en milieu de semaine plutôt que d'attendre lundi. Et puis bah, lundi, ça va être catastrophique. J'aurais repris je ne sais pas combien de poids. Donc je suis très contente de moi. Voilà. Ah, voilà, une journée qui se termine avant d'en commencer une autre. Bon, ça fait du bien d'être actif, mine de rien. Donc là, je sors d'un rendez-vous avec les parents qui s'est très bien passé, qui n'a pas duré très longtemps en plus. Donc ça, c'est chouette. Je vais passer à la pharmacie. Faut que je passe récupérer les clés de ma voiture, hein, puisque l'avantage de vivre dans un quartier, c'est qu'il y a toujours un mécanicien. J'y avais pas pensé. Et il m'a réparé mon histoire. C'était juste un câble, je crois, pour 40 euros. Donc, ça va. Voilà. Il faut que je récupère quand même les clés, parce que ça fait un moment qu'il l'a réparé et à chaque fois, j'oublie. Voilà. Donc je vais faire ça et après je vais rentrer et puis m'occuper de ma petite famille et tout quoi. Bon bah le mécanicien il est pas là, à chaque fois que j'y vais je le loupe, soit j'oublie, soit il est pas là. Je crois que je vais jamais récupérer ma voiture, vous direz j'en ai pas besoin pour l'instant, mais bon. Bref, j'ai envie de me faire une tarte aux poireaux ce soir, j'en ai envie, c'est dingue. Mais si je fais ça, je serai obligée de cuisiner autre chose en plus, donc flemme. Parce que la tarte aux poireaux, chérie, il en mange pas. Dommage. Ou alors, faut que je me motive à cuisiner deux plats, en fait. Bref, je voulais vous dire un truc aussi qui s'est produit lors d'une récréation à l'école tout à l'heure. C'était une élève de CE2
qui est obèse, hein. Et c'est pas la première fois qu'elle vient me voir parce que y a des élèves qui l'insultent, qui la traitent de tous les noms. Et aujourd'hui, elle est revenue me voir et elle m'a dit je me fais rejeter. Enfin, pas exactement avec ces mots-là, mais en gros, elle se fait rejeter parce qu'elle est grosse. Ah, ça m'a énervée, mais si vous saviez à un point, j'avais presque les larmes aux yeux pour elle, en fait, parce que je sais sa souffrance, en fait. Je sais sa souffrance. Et j'ai fait pour elle ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi, en fait, hein, tout simplement. Je suis allée voir les autres, comme la dernière fois, mais là, j'ai un peu plus poussé. Et puis forcément j'ai un peu haussé le ton et j'ai fait comprendre que ça se passerait pas comme ça avec les autres élèves, en tout cas les autres filles de sa classe et ceux qui l'insultent. Enfin voilà, et je partage ça avec vous notamment parce que je me rends compte qu'il y a énormément de travail à faire auprès des gamins sur la discrimination. J'ai l'impression que la communication, elle passe pas forcément dans toutes les familles parce que il y a un truc qui m'a choquée quand je leur ai dit ok, pour vous elle est différente parce que son physique est différent. Est-ce que vous pensez que tout le reste aussi est différent? Ils me disent oui. Donc je vais un peu plus loin, je dis est-ce que vous pensez qu'elle ressent les choses de la même manière que vous? Ils me disent non. Je fais donc vous, si vous êtes rejeté parce que peu importe pour quelle raison, hein, d'ailleurs, est-ce que vous n'allez pas avoir mal? Donc bah si, hein. Donc, forcément dans le discours je leur explique que voilà, faut pas faire ça, pourquoi et tout. Mais en fait ce qui m'a vraiment choquée, c'est que ces enfants là pensaient réellement que la petite fille qui est un peu plus grosse que les autres et qui du coup a un physique atypique, un physique différent visuellement, eh bien tout le reste était différent aussi en fait, et qu'elle ne ressentait pas les choses de la même manière que eux, et que du coup elle ne pouvait pas ressentir des émotions que eux connaissent, la douleur liée au rejet, entre autres. Enfin voilà, ces enfants en fait ne savent pas. Ils pensent que parce que son physique est différent, eh bien tout le reste en fait est différent et que c'est un extraterrestre limite à côté quoi. C'est là que tu te dis, il y a du boulot. Il y a du boulot. Je suis déçue que cette petite fille ne soit pas dans ma classe parce que forcément c'est un sujet qui me touche particulièrement. J'aurais pu faire tout ce qui est en mon pouvoir en fait pour qu'elle se sente mieux et pour rebondir, parce que en fait il suffit de pas grand chose, hein. Mais si on fait rien, ça risque de pas changer en fait. Donc voilà, moi je me souviens très bien qu'à l'époque où j'étais à l'école et au collège, justement les adultes ils ne faisaient rien. Mais aujourd'hui j'ai le pouvoir de faire quelque chose, alors si je peux changer quelque chose, ne serait-ce que pour une journée d'une personne, je me priverai pas. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Bon, et bien finalement je me suis chauffée pour la tarte poireau. J'ai mis du bacon avec du fromage râpé, du chèvre. Franchement elle a l'air trop appétissante. Je vous dirai si c'est bon, et si c'est bon je vous donnerai la recette. Donc voilà pour le bilan de la journée. Donc du coup, je suis très contente. Voilà. Je crois que je mange dans l'espoir d'avoir main froid. Et vous rêvez pas, je suis en manteau chez moi. Ça fait 3 jours que ça caille. Mais franchement, c'était hier. Non, c'était avant-hier. J'ai pris un bain, je voyais toute la vapeur pendant tout le long qui s'évaporait. L'eau est restée pas chaude. Non mais franchement, là ça caille. Et on est dans un logement social, donc on peut pas allumer le chauffage. C'est chauffage au sol. C'est quand eux ils décident.
Je m'attendais à ce qu'il fasse super froid dehors, mais en fait je crois qu'on a les mêmes températures dehors et à l'intérieur. Hein. Non, franchement quoi, il faut qu'ils allument le chauffage, c'est pas possible. Ah, il est enfin midi, je vais pouvoir aller manger ma tarte au poire au bacon. Elle est tellement bonne en vrai, j'ai hâte. J'y pense depuis ce matin, faut le faire. Je voulais vous montrer ma petite tenue parce que j'ai fait un petit effort ce matin pour mettre des couleurs. Voilà, donc j'ai ce pantalon qui d'ailleurs commence un petit peu... En même temps, je me souviens que quand je l'ai acheté, il n'était pas non plus genre moulant, donc voilà. Et ce petit haut par-dessus. Mais j'avoue que j'ai un peu froid. Oh, c'est toujours mieux que chez moi, parce que chez moi, ça caille. Bon, je vais manger. Punaise, il fait chaud. Si j'avais su, j'aurais ouvert toutes les fenêtres dans la maison. Ah bah non, 11e étage, j'aurais fait du courant d'air. Non mais chez nous, ça caille. Mais ça caille, genre on est gelé. Et dehors, maintenant, il fait chaud. C'est le monde à l'envers. Bon, je me plains, mais en vrai, ils allument le chauffage lundi. Donc, tout va bien. Bref, je suis dans ma voiture. Je ne l'ai pas utilisée depuis la dernière fois que je suis allée faire les courses. J'ai laissé au mécanicien. Normalement, j'ai plus de soucis avec mes essuie-glaces. On va vérifier ça. Bon, au moins, ça lance plus. Ah. Ouf, un problème de moins. Oh punaise, c'est chaud. Pourquoi j'ai mis ça? Je crois qu'il... Et en fait, je sais plus. J'ai filmé hier, non? Pas le soir. Le soir, oh, je sais même plus la dernière fois que j'ai filmé. Hier soir, j'ai même pas mangé. Je me suis endormie, mais comme une merde. Et ça m'a fait du bien. Et là, aujourd'hui, je me sens bien. Ça faisait longtemps que je me sentais pas reposée comme ça. Je manque tellement de sommeil ces derniers temps. Ça, c'est mauvais. C'est mauvais pour la santé, pour le moral, pour tout. Hein. Oh là là. Bref, ça va beaucoup mieux. Je vais voir ma meilleure amie aujourd'hui. J'allais faire mes courses parce que je devais y aller mercredi prochain et mercredi dernier. Et je n'y suis pas allée. Oh là là, je parle plus français. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc, je vais faire mes courses. Je sais pas si je vais faire un retour de course en fait parce que... Je vais chercher ma meilleure amie après. Et on passe la soirée ensemble et c'est trop bien. Et elle va préparer des lasagnes. Et moi, je vais faire un crumble aux pommes. Voilà, j'ai trop hâte. J'ai fait mon petit ménage ce matin. On a regardé un film avec les enfants. C'était trop bien. Je me suis reposée. Franchement, ça fait du bien. J'ai plein de choses à faire. Mais là, je me suis dit, bon, à un moment donné, c'est bon. T'es pas un robot, donc prends du temps pour toi. Hein. J'ai déjà fait du ménage aujourd'hui, plus les courses. C'est suffisant pour aujourd'hui. Voilà. Par contre, demain, bah, va falloir carburer. Mais aujourd'hui... Je profite à fond, voilà. Il fait chaud. Eh bah ça fait un sacré caddie. Ça déborde. Et je me suis pris un sandwich. Pas bien. Parce que bah, j'ai rien mangé du coup depuis hier midi. J'ai pris une barre de céréales hier après-midi, mais c'est tout en fait. Donc je commence à avoir la dalle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De clôturer ce vlog, c'est parti pour la petite pesée. Je vous la mets juste à côté. Je suis contente parce que j'ai limité la casse. Voilà, j'ai moins
300 grammes de moins comparé à la pesée d'il y a 2 semaines. Parce que la semaine dernière, je ne m'étais pas pesée, si jamais vous n'avez pas vu mon dernier vlog. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. En même temps, c'est pas facile pour moi ces derniers temps. Non seulement parce que j'ai un rythme assez soutenu, beaucoup de pression comme j'en parlais au début du vlog, beaucoup de charges sur le dos, mais c'est pas forcément que ça le problème, on va pas se mentir, hein. Je l'ai choisi ce rythme, je savais dans quoi je me plongeais, hein. Mais je m'en sentais tout à fait capable, et c'est le cas, sauf quand il y a d'autres choses qui vont pas à côté et qui bousculent un petit peu le moral. Voilà, j'ai pas envie d'en parler parce que tout simplement c'est ma vie privée. Je reste debout, je me bats. Vraiment, c'est le mot en ce moment, je me bats. Je lutte, j'ai souvent les larmes qui montent aux yeux. Ça va pas en ce moment, voilà, je vais pas vous mentir. Il y a des choses qui se passent dans ma vie qui sont pas du tout agréables, qui font se sentir mal. Voilà, j'ai des émotions négatives, des émotions de tristesse, de colère, de stress. Donc tout ça, ça aide pas du tout. Surtout quand on mange ces émotions comme moi. De base, déjà, pour se lancer dans une perte de poids, il faut être bien dans sa tête. C'est-à-dire, il ne faut pas être dans un mauvais mood. Faut être motivé. Voilà, c'est difficile d'être motivé quand on est triste, n'est-ce pas? Faut être en forme. Enfin, il y a quand même pas mal d'éléments à assembler pour se sentir le mieux possible et pour attaquer une perte de poids. Bon, moi, j'attaque plus, on peut dire, au sens propre, une perte de poids à l'heure actuelle, puisque ça fait longtemps que je suis dedans. Mais quand ça va pas, j'ai tendance à flancher. Déjà que j'ai des addictions alimentaires, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui, je me connais, je sais de quoi je suis capable. Et quand le moral va, je suis capable de beaucoup de choses. Je suis capable d'avoir un rythme dans lequel je me suis lancée, hein, tout simplement. Voilà, j'ai une vie à 1000 à l'heure, je l'ai choisie. Donc j'ai pas à m'en plaindre, mais quand il y a des choses qui vont pas du tout à côté et qui plombent le moral au quotidien, c'est difficile d'avancer, c'est difficile de faire face et de se battre, voilà. Mais je continue à me battre, voilà, je ne veux juste pas vous mentir, je ne vais pas en parler tous les jours. Mais vous me voyez souvent avec le sourire, oui, je suis de nature à sourire de toute façon. Je suis quelqu'un de très positif aussi, mais en ce moment, ça ne va pas, voilà. Sans vous donner des détails, juste je voulais que les choses soient claires pour que vous n'alliez pas penser que tout va bien, que tout baigne. Non, c'est ma vraie vie et voilà, comme ça je vous le dis. Et quand ça ira beaucoup mieux, je vous le dirai. Mais d'ici là, je vais éviter de parler de ces choses-là puisque j'ai décidé de ne pas partager les détails de ma vie privée. Voilà, en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu malgré tout. C'est pas facile pour moi de prendre la caméra tout le temps. Quand je suis dans un mauvais mood, c'est quelque chose qui est très compliqué. La semaine a été plutôt compliquée aussi. J'ai rattrapé les choses, j'ai un peu limité la catastrophe. Donc, je suis contente de cette pesée. Je me mets pas trop la pression en ce moment, du coup, pour perdre du poids. Parce que j'essaie quand même d'être assez indulgente avec moi-même. Je peux pas tout faire. Mais mon but, en tout cas, c'est de ne pas reprendre mes kilos. Voilà. Donc, pour l'instant, j'y vais mollo. J'essaie de pas reprendre du poids. Ou pas trop, en tout cas, de stabiliser. Et quand je me sentirai mieux, quand je me sentirai d'attaque, on abattra les derniers kilos. Hein. De toute façon, comme je vous ai dit, je lâcherai jamais. Donc, je finirai par y arriver un jour ou l'autre. Voilà, ça c'est sûr. Bref, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain pour le prochain retour de course du coup que j'ai filmé. Il faut juste que je fasse le montage. Et dimanche prochain, normalement, si tout va bien, pour le prochain vlog. Allez, bisous. The future is now.